le dernier speaker pour ce matin est Tremel, qui fait une recherche incroyable sur bootstrapper des laptops plus sécurs. Il fait ça en bougeant le trust dans le ROM protégé et qui construit un firmware open source. Big up pour ça. Et il encourage aussi la recherche dans ce domaine. Donc, je suis Simon Tremsel avec Two Signal Investment. Donc, pendant ces deux dernières années, j'ai recherché les firmwares et comment ça affecte les systèmes. Donc, il y a deux ans, j'ai présenté un travail sur Thunderstrike. Donc, c'était la première attaque firmware contre des MacBooks qui permettait à un attaqueur d'overrider le boot ROM d'un motherboard. Donc, l'année d'après, j'ai fait une collaboration avec deux personnes qui travaillent maintenant chez Apple pour faire du travail sur des firmwares, et ils ont porté certaines vulnérabilités UEFI Windows sur Mac et montré que la plateforme UEFI permet des attaques très portables qui peuvent être transférées donc entre Windows et Mac. Plutôt que juste casser des choses, ce que j'aimerais faire, c'est démonter des choses et comprendre comment elles fonctionnent et documenter les choses afin que d'autres personnes puissent construire des systèmes au-dessus de ça. Donc, c'est pour ça que je suis très heureux de vous parler aujourd'hui de mon projet. Donc, un projet d'un firmware open source et un bootloader pour des laptops et des serveurs. Donc, le nom, c'est un jeu de noms sur la distribution Tails, qui est donc un Linux stateless qui ne laisse aucune trace sur la machine. Donc, voilà, donc on va commencer par parler sur pourquoi la sécurité de firmware est tellement importante. Donc, ça, c'est le code qui est exécuté par le CPU quand il sort du reset. Donc, c'est la première instruction que le CPU va exécuter. Donc, c'est dans une position très privilégiée qui pourrait contourner toutes les autres protections hardware ou software. Donc, il n'y a pas de shortage de talk qu'on peut parler sur des vulnérabilités de firmware. Donc, une que j'ai beaucoup aimée, c'était l'année passée à DEFCON. Donc, sur des firmwares Intel qui montraient que le firmware Intel pouvait contourner l'hyperviseur, qui montrait comment du firmware buggé permettait un guest non privilégié à l'intérieur d'une machine virtuelle pouvait faire une escalation privilège à l'intérieur de l'hyperviseur. Donc pour cette raison, c'est très important que les vulnérabilités firmware, les bugs firmware devaient être patchés. Donc ça, c'est pas seulement des recherches théoriques. Donc on sait qu'il y a des organisations malicieuses et des groupes de hacking qui vendent des rootkits firmware pour à n'importe qui est d'accord de payer. Donc c'est utilisé aussi dans les APT. Donc c'est des APT très persistants parce qu'ils sont justement dans les ROM de boot de la carte mère. Donc même en réinstallant un système d'opération, même en changeant le disque dur, ils sont encore là. Donc certains vendeurs bundlent même ces rootkits dans leur ROM officiel. The bloatware or whatever adware they want to put into the OS. So even after you reinstall a clean version of the OS, même après avoir réinstallé le système d'opération propre, ces rootkits réinstalleraient leur propre version. Donc certains ont des vulnérabilités qui peuvent être exploitées par des attaqueurs. Donc dans ce cas particulier, le vendeur a reçu un update de firmware qui a patché cette vulnérabilité. Donc les utilisateurs ne pouvaient pas mettre à jour le firmware de leur machine. Donc, la plupart des vulnérabilités de firmware en réalité ne voient jamais de patch et ne sont jamais déployées vers les utilisateurs finaux. Donc en partie, une des raisons, c'est que le
le firmware est créé par 4 ou 5 compagnies qui sont à distance, enfin qui sont très loin et très abstraits par rapport à l'utilisateur final. Donc quand une vulnérabilité est patchée, souvent tout en haut, d'abord elle doit être implémentée par le vendeur de BIOS, qui ensuite vend ça au packager de device, qui le vend finalement seulement au producteur de device. Donc il y a toute une chaîne finalement d'acteurs impliqués, et pour qu'un patch soit poussé jusqu'à l'utilisateur final, il faut beaucoup de coopération entre les différentes entités. Parfois ça doit même passer encore par le vendeur de système d'exploitation. Donc ça, c'est la raison pourquoi la plupart des produits ne reçoivent jamais d'update après qu'ils aient été vendus. Donc il y a une exception, c'est Apple qui construit leur propre firmware. Et donc il a été toujours très satisfait avec Apple, qui ont toujours construit des patchs, même pour des très vieux firmware. Donc il est très différent de ce que les autres vendeurs de firmware font. Donc quand EFI a été introduit, ça a apporté beaucoup de complexité. Et que la communauté Linux, enfin dont la communauté Linux était très sceptique. Donc il y a presque autant de code qu'un système d'exploitation pour l'environnement UEFI. Le BIOS n'était pas forcément meilleur parce qu'il y avait aussi ses propres problèmes, mais c'était petit, c'était simple et ça passait sur 4K. But even now, most systems ship with both the UEFI and a BIOS compatibility module. Donc maintenant, la plupart des systèmes sont en fait livrés avec à la fois un BIOS et un système UEFI. Donc en fait, on double la surface d'attaque. Donc les mises à jour sont rares, comme dit précédemment. Les patchs, s'ils sortent une fois, ils mettent un long moment. Si toujours est-il qu'ils viennent à l'utilisateur final, ça prend un très long moment jusqu'à ce qu'ils soient déployés. Donc c'est pas une réalité satisfaisante pour quelque chose qui est aussi privilégié qu'un firmware. Donc pour lui, le firmware doit être construit de manière open source, doit être flexible afin qu'il puisse être adapté à nos besoins, à nos systèmes. Il doit être construit avec du software qu'on comprend, qui peut être réutilisé aussi dans différentes applications afin qu'il puisse être testé. Il doit être construit de manière reproductible afin qu'il puisse être sécurisé aussi contre des attaques de la chaîne de build. Et il doit pouvoir être mesuré afin d'être sûr que ce qu'on flash sur le système puisse aussi être, enfin, soit aussi ce qui est runné sur le système. Donc la philosophie derrière Head, c'est que c'est construit sur l'open source core boot plus un Linux kernel ROM. Donc, encore, et en plus de ça, beaucoup de recherches de sécurité tools. En utilisant Linux comme bootloader, c'est pas une idée particulièrement nouvelle. Donc déjà dans les années 90, quand il a commencé à construire des clusters Linux, il était très frustré avec la non-flexibilité du DHCP, enfin du boot DHCP. Donc même avec cette frustration, il a construit un cluster qui était dans les 30e plus rapides du monde. Pendant ce temps, un de ses collègues construisait aussi des gros clusters et a remarqué que le BIOS énumère tous les bus, trouve le kernel Linux, et qu'ensuite le kernel Linux réénumère tous les bus. Et qu'il trouve pourquoi est-ce qu'il le fait ça? Il trouve ça inutile, il trouve ça bête, pourquoi on le fait à double? Donc son idée, c'est de construire une version Linux qui exécutait depuis la ROM. Donc il a appelé ce projet Linux BIOS, et ça a été utilisé pour le cluster MRC, qui était qui a fini par être la troisième machine la plus rapide dans le monde en 2003. En 2008, Linux BIOS a connu une
un réfacteur majeur, donc qui a été rappelé Core Boot. Et Google a choisi d'ailleurs d'utiliser Core Boot sur leur Chromebooks, qui est le seul maintenant laptop qui n'est pas basé UEFI qu'on peut acheter aujourd'hui. Donc Ron a été à Google donc en 2011 et a continué de travailler sur le projet Core Boot. Donc Core Boot a trois étapes par lesquelles il passe quand on démarre la machine. Donc le premier était un tout petit peu de données donc, d'assembleur. D'assembleur 16 bits, donc même les laptops 64 bits utilisent des instructions 16 bits de boot. Donc ça ensuite, ça set up un environnement C qui passe dans l'étape ROM qui fait à peu près 70K. Measure the boot block and provide a static root of trust that's hopefully. Alors l'initialisation du TPM, du module trusté, c'est dans le ROM stage avant que le RAM est initialisé pour la chaîne trust. Le ROM c'est à peu près 60 000. Les RAM, Alors, le RAM stage énumère les devices, mais il ne va pas les initialiser. Après ça, il va au payload. Le process complète prend un seconde. D'aller au payload, alors au code d'utilisateur. Donc sur quelques des X230, il peut passer depuis le power-off jusqu'à un shell interactif en moins de 2 secondes. Parce qu'on a maintenant Linux à ce point, on a toute la flexibilité qui vient avec ça. On peut implémenter des scripts de boot tels que, enfin, avec toute la puissance du shell ou avec l'environnement C. Donc on n'est pas limité par les fonctionnalités limitées de l'UEFI. Linux supporte aussi beaucoup de systèmes de fichiers et supporte beaucoup de différentes méthodes d'encryption. In contrast, UEFI, which supports unencrypted FAT file systems. Donc, en contraste avec l'UEFI, qui supporte que des systèmes FAT non encryptés, qui doivent être sur le début du disque. C'est beaucoup plus flexible pour trouver le device de boot. Donc, il y a un adage dans la communauté open source qu'avec assez d'œil, enfin, assez de yeux pointés dessus, il y a tout qui est shallow. Donc, le code Linux a été revu et revu et encore revu par des milliers de yeux. Donc, les versions UEFI n'ont pas une telle scrutinerie. Donc, tant les drivers UEFI que le système qui est exploité au-dessus de là augmente l'attaque de surface, enfin la surface d'attaque. Donc en utilisant Linux, on a en fait réduit notre surface d'attaque de manière dramatique. Plus important, tant Core Boot que Linux, c'est open source, donc c'est facile de construire des versions custom pour des systèmes de fichiers qu'on utilise. C'est possible de patcher des bugs de manière indépendante. Il n'y a pas besoin d'attendre d'avoir enfin, que le patch soit intégré dans le release officiel. Donc, le troisième composant majeur de Heads, c'est un tool appelé For the Linux BIOS project back in 2003 by Eric Biederman that allows a running kernel to do a graceful shutdown. Ça permet un kernel en cours d'exploitation de faire un shutdown graceful
et de rebooter un nouveau kernel sans repasser par tout le process de boot. Donc ça permet à des applications de cluster de faire des reboots très rapides. Et dans le cas de Heads, ça permet d'agir comme bootloader. Head est très petit, ça doit passer sur 4 MB de ROM. Donc, c'est pas quelque chose qu'on peut utiliser comme système d'exploitation day-to-day. J'espère que ça ne va pas exploser de nouveau sur moi. Parce que on a le shell, donc la plupart des choses de head sont implémentées comme shell script. Donc dans ce cas, on a été capable de passer un nouveau set de paramètres en ligne de commande. Donc on peut même démarrer un hyperviseur. Et tout ça peut se passer de manière très très rapide. Donc, avec aussi bien un bon degré de sécurité. Donc, ça, c'est les building blocks sur lesquels Heads repose. Donc, ça nous donne une belle plateforme pour commencer à expérimenter avec différentes features de sécurité. Donc, avant qu'on continue plus loin dans le terrier de lapin, il aimerait écouter son ami qui dit que mon modèle de threading n'est pas le tien. Donc, on a chacun différentes choses qui... chacun veut protéger ses différentes choses, mais c'est OK. L'avantage de Head comme open source, c'est qu'on peut construire des systèmes adaptés au modèle de menace individuelle de chacun. Donc, enfin, il se peut que mon système ne soit pas fait pour ton modèle de menaces, mais tu peux très facilement changer afin de refléter ta réalité. Donc, le firmware n'est pas seulement dans notre CPU, le firmware est aussi dans notre carte de Wi-Fi, et aussi dans notre GPU, et notre disque SSD, et dans notre clavier. Et tous ces devices pourraient essayer de finalement pervertir, subvertir le process de boot. C'est une des menaces qui vous concerne, ces instructions, c'est très utile à suivre. Donc lui, il sort finalement tout ce qui pourrait signifier une menace. Alors, Heads n'est pas si simple à installer comme une distribution Linux normale parce que ça doit être installé dans le ROM du système, du machine. Alors, cette chip flash a une protection en hardware. C'est normalement lecture. Alors ça c'est une bloc de boot immutable pour le premier du chain de trust. Alors une boîte base qui protège contre des classes d'attaque d'Intel. Alors si ça c'est une menace qui vous concerne, c'est une idée de couvrir cette chip dans des proxys. Cette module est aussi capable de protéger la machine des autres devices sur le port de base qui peuvent être une menace. Rudolf Merrick, 2 years ago at CCC, called it the Matryoshka CPU. Au congrès, deux ans dernier, Rudolf Merrick a une talk sur ça. Alors, c'est le management engine des Intel Platform. C'est une chip avec un blob de code de 5 mégaoctets qui a accès direct au système, au RAM, qui il peut écrire sur la carte graphique, carte net, ils peuvent lire le net, même quand la machine est éteinte.
Ça m'a beaucoup concerné et j'ai passé beaucoup de temps pour à regarder comment c'est construit. Donc, il a remarqué qu'il pouvait construire un firmware modifié qui enlevait finalement toutes les fonctionnalités rootkit. Ça prend les 5 mégabytes et puis ça réduit à peu près 40K d'espèces. Donc, il ne sait pas exactement ce que ça fait dans ces 40K, mais il sait que ça ne peut pas, ça n'a au moins pas de driver, de device ou pas de machine virtuelle Java. Donc, il a fait ça sur tant Sandy Bridge que Ivy Bridge, et aussi sur les nouveaux CPU Skylake. Donc, c'est encourageant de voir que si on peut appliquer ça à plus de hardware courante, c'est possible de passer de quelque chose d'ancien à quelque chose d'un peu plus nouveau et sécure. Donc, le management engine, c'est pas le seul device qui pourrait essayer de divertir le process de boot. Donc, l'architecture d'Intel UEFI recommande que le firmware allume le, enfin lance le VTD. Donc, jusqu'à maintenant, pour autant qu'il le sache, il n'y a personne, il n'y a pas un seul firmware UEFI qui utilise, enfin qui tire profit de cette fonctionnalité. Donc ça n'aide pas vraiment pour la sécurité si on ne l'allume pas. Donc nous, on n'a pas de problème d'utiliser, enfin, de leverager cette protection. Un autre moyen que des devices pourraient essayer d'interférer avec le process de boot, c'est donner du code qui sera exécuté par le BIOS à travers un driver de device qui peut essayer de faire différentes choses comme extraire des mots de passe. Donc ce problème était initialement relevé en 2007 à la Black Hat, et ensuite à nouveau en 2012, puis finalement par lui-même sur Thunderstrike. Et finalement, la semaine passée, il y a un fix officiel qui a été sorti pour patcher cette vulnérabilité. Donc, ceux qui utilisent Core Boot, ils ont comme option qu'ils peuvent dire que cette menace est importante pour moi et que j'aimerais désactiver cette fonctionnalité. Donc, ça pourrait enlever des fonctionnalités, mais c'est quelque chose qu'on peut choisir ou pas d'avoir. Ça dépend du modèle de menace pour chacun. Donc, on n'utilise pas finalement les drivers des devices parce qu'on se base sur les drivers fournis par Linux, vu que justement l'avantage est sur une plateforme Linux. Donc maintenant on a tous nos éléments pour construire et on espère avoir protégé le process de boot. Donc maintenant, la question c'est comment on sécure les secrets sur une machine. Donc lui, il est un grand fan du TPM, donc la plateforme de trust. Donc ça n'a pas reçu un accueil très chaleureux parce que vu comment ça a été utilisé pour les DRM et puis d'autres choses un peu hostiles pour l'utilisateur. Mais comme nous, on contrôle le TPM depuis la première instruction dans le boot block, c'est possible d'utiliser pour des choses que nous, on veut. Et donc, on n'a pas besoin d'activer le DRM, mais on peut l'utiliser pour protéger nos secrets. Donc, comment ça le fait, c'est qu'il regarde quel code est exécuté quand le système démarre, et il lâche ce code dans des registres spéciaux appelés les PCR. Et l'avantage, c'est qu'on peut étendre le PCR en hachant le modèle d'après, et de hacher ce hash avec le hash précédent, et ce qui crée finalement une chaîne de confiance, parce que si on sait que ces hash matchent les valeurs attendues, on sait que uniquement le code qu'on veut qui se soit exécuté a été exécuté. Donc le TPM va seulement décrypter les clés d'exception si ces PCR matchent. Donc ce qui veut dire que le code qu'on veut exécuter est ce qui a été exécuté. Ce qui veut dire que si quelqu'un arrive
à overrider les parties non protégées en écriture de la ROM, ça changera ces valeurs et le TPM ne donnera pas la clé à eux. Ça prend aussi un mot de passe par l'utilisateur et ce mot de passe est validé par le hardware TPM lui-même, ce qui nous donne une limitation hardware sur le nombre de fois qu'un hacker peut essayer un mot de passe, ce qui peut fixer une limite de retry parce que le TPM va finalement effacer la clé si le hacker fait trop d'essais erronés. Donc ça signifie que maintenant il y a encore une autre manière de perdre la clé de disque. Il y a la blague sur ceux qui ont des disques encryptés, c'est qu'il y a deux catégories, ceux qui ont perdu leurs données et ceux qui vont perdre leurs données. Donc, ce que ça fait, c'est que cette clé est splittée en différentes pièces, mais qu'ils peuvent être stockés sur différents services, qui peuvent être donnés à des amis, mais qui peuvent être utilisés, mises tout ensemble, enfin, en tant que clé unique, elle ne peut pas être utilisée pour déchiffrer le disque, mais mise ensemble, toutes, peut être utilisé pour recréer la clé de décryption. This avoids a certain class of evil made attack where someone swaps out your drive. May not be in your threat model, but it's easy to do with just a few lines of shell script. Donc, on espère que maintenant, on sait que le système exécute le code qu'on pense qu'il est en train d'exécuter, mais qu'est-ce que ça prouve que ça va être notre machine, qu'il n'y a pas quelqu'un qui est venu dans notre chambre et qui a en fait échangé tout le matériel contre leur propre matériel afin de nous triquer à entrer notre mot de passe dans un autre ordinateur. Donc, dans certains systèmes de confiance, il y a une clé, enfin une phrase unique qui est encodée dans le matériel. Donc, en se basant sur le time-based one-time password utilisé par Google pour protéger le firmware et qui atteste à l'utilisateur que le firmware n'est pas modifié. Donc, quand le système démarre et passe à travers toutes les différentes étapes, le TPM va seulement réaliser le secret si ce code est matché. You compare that to what's on your phone, and that tells you. Alors vous comparez avec le numéro sur votre téléphone et ça va dire si c'est possible d'utiliser le mal de la machine. C'est un shell script très court pour lire la valeur du TPM et comparer le hash. Ça peut aussi aller à une chaîne de trust pas basée sur le TPM, mais sur une device manufacturer that's going to lose the key and allow malware like Stuxnet to use it to circumvent security. Ça protège aussi contre une attaque si le vendeur du module a perdu la clé et Stuxnet l'utilise pour attaquer votre machine. And it also then uses the TPM's counters to help prevent against rollback, where someone. Le système a un shell script qui protège contre une rollback, aussi avec les valeurs des TPM. Allows us to be sure that not only are we running the firmware, that the OS that we think we should be running. Ça prouve qu'on c'est le système d'exploitation qu'on veut démarrer, mais aussi la version actuelle et pas une version avec une vulnérabilité. Le fait d'avoir une clé PGP fait aussi que c'est compatible avec Android. Donc, on hache tous les blocs jusqu'à ce qu'on ait un root hash dans l'arbre de hash.
the essentially a signature on that data. This does require a read-only root file system, but it gives us ça a besoin d'un root file système de fichiers en read-only. Une fois qu'on a notre système d'exploitation qui est en train de s'exploiter, donc Heads est focalisé sur comment on peut finalement sécuriser la transition sur un OS, mais le choix de l'OS est un choix indépendant. Donc lui, il aime bien Cubes parce que c'est assez secure, donc c'est recommandé par des gens qui savent qui sont bien au point sur la endpoint security. Et le team Cubes reconnaît que la sécurité du firmware est une pièce essentielle de la sécurité d'un système. Donc, dans l'édition 4 de Cubes, le système d'exploitation va requérir que le firmware soit un firmware open source tel que Core Boot. Donc, ce qui veut dire qu'il a beaucoup travaillé avec le software Cubes et il l'a rendu compatible avec le système Core Boot. Donc, l'utilisateur peut maintenant bloquer la configuration afin que personne ne puisse changer le setup. Donc des builds reproductibles, c'est très important afin qu'on puisse vérifier que les blocs de build correspondent à ce qu'il aurait. Donc dans le cas de Heads, il y a beaucoup de différences qui ne peuvent pas être reproduites. Donc, il a aussi créé des tools qui permettent de créer des RAM disques avec, par exemple, Cubes. Donc, avec tous leurs releases sont signés de manière cryptographique. Donc, il espère que GitHub ne va pas injecter des patchs. Donc, il n'y a pas de NDA qui est requis non plus, contrairement à l'UFI. Donc ça, c'est à peu près l'état actuel de ce qu'il y a. Donc c'est encore dans l'état bêta, mais c'est utilisable. Donc il y a beaucoup de domaines où il y a encore beaucoup de recherches, telles que les contrôleurs. Donc il a essayé aussi de porter Core Boot sur des plateformes plus modernes, pour supporter des choses telles que Intel Bootguard. Donc il essaie aussi de passer Core Boot sur des plateformes serveurs pour qu'on puisse l'utiliser pour des hosting plus secure. Donc les serveurs ont un modèle de menace très différent de laptop. Donc beaucoup de choses ont des firmwares on doit se méfier. Donc une des collaborations qu'il a, c'est avec le projet OpenDMC pour essayer de tirer profit du tout le open source de management. Il travaille aussi avec le Mass Open Cloud Project qui essaie de construire des clouds bare metal. Donc il est assez optimiste sur ses collaborations. Il y a beaucoup d'issues sur GitHub, donc je serais très heureux pour des contributions. Donc tout le monde qui se sent inspiré peut contribuer avec plaisir. Donc si vous êtes intéressé, je resterai au Core Boot Disassembly un peu plus tard aujourd'hui et pendant cette semaine. Donc le team de Core Boot a quelques personnes. Quelques programmeurs Flash qui peuvent vous aider à installer Core Boot sur votre laptop. Et ce talk peut se trouver aussi sur son site web. Donc merci beaucoup à tout le monde pour venir ici, pour venir voir ce projet. Donc j'espère que tout le monde est aussi excité que moi sur ce projet open source que moi. Donc si quelqu'un a des questions maintenant, je prends volontiers vos questions. Merci. Merci beaucoup pour cette talk. Est-ce que vous avez une
mots pour les 85-18% des gens qui sont restés sur des notebooks pas compatibles avec Coreboot. Donc oui, achète un autre laptop. Non, en réalité, il y a des institutions qu'on doit truster. Par exemple, on doit faire confiance à Intel. Et Intel est responsable pour à la fois leur CPU et beaucoup des firmware. Donc, selon votre modèle de menace, les attaques firmware ne pourraient pas être un grand concern pour vous. Ou alors, ça pourrait être vraiment un grand souci pour vous. Dans quel cas, ça ferait sens de revenir à ma première suggestion, qui donc clipper le Write Protect Pin sur le chipset et enlever les choses, enlever physiquement les choses qui pourraient être représenter une menace pour nos systèmes. Est-ce que les processeurs ARM sont supportés à Coreboot? Donc ARM a beaucoup d'avantages. Donc, comme processeur. Ça a seulement 20 années d'histoire plutôt que 40, et le processus de boot sur ARM est beaucoup plus simple, comme il n'y a pas besoin de passer à travers le mode réel, jusqu'à passer par la pagination et toutes les autres étapes. Donc, par contre, le désavantage de beaucoup d'ARM, c'est que leur code de boot est sur le chip, mais en dehors du contrôle de l'utilisateur. Donc, beaucoup de ce code de boot est relativement simple et peut établir une chaîne de confiance hardware. Il y a eu beaucoup de gens qui se posent la question si on peut rendre Coreboot compatible avec ARM. Donc, je pense que vous aurez plus de réponses dans notre booth Coreboot. Alors, si U-Boot est possible sur la plateforme, Heads est possible aussi. Heads est un payload pour Coreboot, en fait. Thank you. There's a question from the internet. Une question pour IRC. Coreboot a des blobs binary d'Intel avec les supports firmware. Comment est possible que c'est sécure comme ça? Donc le FSP de Intel est donc le firmware support package qui est requis pour initialiser le contrôleur firmware sur les CPU Intel. Donc sur les plus vieux CPU tels que le Sandy Bridge ou Ivy Bridge, le Coreboot et LibreBoot sont capables d'initialiser la mémoire sans passer par le FSP. Néanmoins, quand on regarde ce que Coreboot fait dans le MRC sur ces plateformes, il semblerait qu'ils remplissent juste quelques registres avec des valeurs qui fonctionnent, et les contrôleurs de mémoire modernes sont tellement complexes et Intel refuse de documenter cela sans des NDA extensifs, donc ce qui fait que c'est très dur de construire une initialisation mémoire quelconque. Mais on ne peut pas dire que c'est un soft à 100% libre, mais le FSP est mesuré et invariable. Même si ça ne donne pas 100% d'open source, pour autant qu'ils le sachent, le seul système qui fait ça, c'est Bunnies et Novena Laptop. Donc, au moins, on peut le mesurer et on peut voir que ça n'a pas été modifié par rapport à ce qui était installé initialement. C'est un très grand projet. Sur le niveau architecturel, la combination de Linux et Shell, pourquoi pas BSD kernel? Et pourquoi Shell à part de
Python ou Haskell. Donc, il y a beaucoup de volonté de supporter Python, mais le problème c'est qu'il y a beaucoup de, enfin l'espace est très limité. Donc dans le ROM de boot, donc il y a 4 mégabytes d'espace disponible et l'interpréteur Python fait déjà quelques mégas à lui tout seul. Donc, pourquoi Linux plutôt que BSD? Le système call KSX est un composant principal afin de pouvoir faire un shutdown du kernel Linux et de transférer à n'importe quel autre système compliant avec un multi-boot qui a une feature essentielle de leur système. Donc si BSD avait cette fonctionnalité, ça aurait été possible d'utiliser BSD. Mais dans l'état actuel des choses, le choix a été donné par le support finalement des instructions de boot. Merci. Comment est Core Boot mis à jour et le payload? C'est un blob des mesures. Alors après une mise à jour, cette code va être changée. Et c'est plus clair que c'est la même. Donc, le fait de créer des clés d'encryption avec le TPM requiert des steps explicites. Donc, un des avantages du build reproductible est que les hashes avec de tous les stages du firmware peut être publié et les valeurs PCR peuvent être précalculées afin qu'on puisse sceller les clés avec les nouvelles valeurs. For the head's payload, one of the things that we're working on is being able to have a even more minimal heads. Qui est actuellement en train de travailler sur un minimum, un heads encore plus minimal qui n'intégrerait qu'un driver USB qui permettrait de booter sur un device et de l'installer sur ailleurs, enfin sur un autre endroit. Another question from the internet. Thank you. On your web page, you implemented head on ThinkPad. Sur le site web, heads est implémenté sur un ThinkPad. Est-ce que c'est très difficile d'implémenter sur un autre laptop? Les ThinkPads sont très populaires dans les communautés sécurité informatique et c'est pour ça que Core Boot était branché aux ThinkPads. À part les ThinkPads et Chromebooks, il n'y a pas beaucoup de devices qui peuvent démarrer à Core Boot. On espère que des vendeurs vont voir qu'il y a valeur dans d'hardware pour la communauté open source et comme une mesure de liberté. I haven't successfully done that yet, but I suspect the people at the assembly would be happy to discuss that further. What do you plan to? Est-ce que vous avez prévu de retravailler un firmware intégré sur Donc la question était comment est-ce qu'on replace le C avec du firmware open source. Donc, le Chromebook a un ICI open source. Donc, builder pour un Chromebook. Donc, le Chromebook a un protocole très élégant pour attester que le C est en train d'exécuter le firmware qu'on pense qu'il est en train d'exploiter. Donc beaucoup de chipsets ici ont des documentations disponibles pour voir qu'ils expliquent comment ils fonctionnent. In the case of the ThinkPads, there's a module in the ThinkPad BIOS that will do that update. There's
we would need to figure out what that protocol looks like. Donc si tu as un prototype fonctionnel sur un SigPatch, tu voudras probablement avoir d'autres. Je n'ai pas compris la suite de la phrase, désolé. Donc, donc si tu as un prototype fonctionnel sur ThinkPad, et est-ce que tu finiras bientôt? A prototype of open source EC existing on H8 by Linux, or you're planning to extend your work on other platforms and. Est-ce que tu prévois d'étendre le travail à d'autres plateformes? Progress on the ThinkPad EC. I was looking into it because I have a modified keyboard on my ThinkPad that. Donc lui, il a un keyboard modifié sur son ThinkPad qui a besoin d'un EC modifié. Mais c'est toujours encore en recherche. Deux questions d'IRC. Est-ce que SystemD va être utilisé dans le process de boot? Et si vous flashez le firmware sur le congrès ici, avec une programmeur hardware, est-ce que c'est possible après mettre à jour le système ou c'est toujours nécessaire d'avoir un programmeur hardware? Maintenant, vous pouvez mettre à jour après à un grave risque de laisser le flash détruit et plus écrire. Laurent, on travaille sur une mise à jour software qui laisse le boot block rester immutable. Et on n'a pas place pour des applications larges comme SystemD. Merci. Merci à tous. Alors, c'était la traduction en français.